C'est parti, je refais une introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes là au webinaire nutrition et micronutrition. C'est la rentrée. On a des nouveautés à vous présenter avec nous pour animer ce webinaire. Eh bien, Julien qui est le représentant de la marque VibraForce et qui va nous parler des nouveautés et puis des éventuelles questions que vous pouvez avoir. Et puis Jérôme, bien sûr, qu'on présente plus. Si on présente, voilà, l'homme fort de la Skin Academy. C'est lui qui vous fait les formations nutrition et micronutrition. Donc, je sais que vous portez un grand intérêt de plus en plus à la nutrition et micronutrition. Un petit mot rapide là-dessus pour vous dire que vous avez raison. Pourquoi? Parce que traiter les problématiques de peau, traiter le corps avec un besoin d'amincissement, eh bien, tout ça, ça relève beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'intérieur. Ça va être très compliqué pour nous, esthéticiennes, aujourd'hui, d'aller traiter des rougeurs, de l'acné, les boutons, les imperfections, d'aller plus loin dans la prise en charge de l'anti-âge. Et puis, bah, pour l'amincissement, parce qu'il y a cette formation gestion du corps, bah, l'amincissement, le drainage, voilà, la circulation des actifs, des nutriments et l'élimination. Eh bien, la nutrition, c'est important. Finalement, ce que l'on est, c'est ce que l'on mange. Ce n'est pas nouveau, je ne l'ai pas inventé. Et la micronutrition, eh bien, c'est ces micronutriments. Donc, du coup, les compléments alimentaires, c'est important. Il y en a à foison. Et nous, vous le savez, on a choisi un laboratoire et on a choisi un très beau laboratoire, VibraForce. VibraForce, c'est un laboratoire qui est français et encore plus chauvin que chauvin. Et ils sont dans le 69. Donc, ils sont chez moi. Et du coup, bah, c'est vraiment le hasard qui a fait les choses. On a un laboratoire qui existe depuis bah, au moins 2 générations, hein, avec quelqu'un, Patrice, qui est très, très porté sur la nutrition, la micronutrition, les compléments alimentaires, mais la source et la quintessence, la matière première, qu'elle soit la plus belle, la plus qualitative. Il est très sensible au bio. Et en plus de ça, il est très sensible aux énergies. Donc, Patrice, ingénieur en agroalimentaire, qui du coup, bah, le dirigeant et président de VibraForce, eh bien, il va vous parler énergie. C'est extraordinaire parce que du coup, ils ont réussi à lier l'énergie avec le complément alimentaire. Donc, il y a une très belle alchimie, justement, entre la terre, un peu le matériel, hein, ce qu'on mange, et puis ce qui se passe dans notre corps. Et puis tout ça, des fois, ça ne s'explique pas, c'est l'énergie. VibraForce, ils ont breveté un concept qui permet de dynamiser l'eau. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les du coup, compléments alimentaires. Et c'est pour ça que du coup, c'est un laboratoire que j'aime beaucoup. Vous retrouverez d'ailleurs le replay avec Patrice, où on présente VibraForce pour la première fois sur la chaîne La Skin Academy, sur YouTube, si vous voulez voir le replay. Il ne faut pas hésiter. C'est du coup sur YouTube, sur la chaîne de La Skin Academy. Allez, c'est parti très rapidement. Vous voyez à l'écran, donc justement, hop, le voilà, Patrice, qui est donc du coup le CEO, parce que ça fait plus classe que directeur de VibraForce Laboratoire, dans lequel on a Natavea et Naturège. C'est les grosses marques, les grosses entités du laboratoire. Formation, vous l'avez vu, ingénieur en biologie, diplômé d'un master en agroalimentaire. Et puis, c'est cet homme-là, là que vous voyez en photo, qui est capable de vous parler d'une façon tellement technique de l'extraction des matières premières, mais en même temps d'énergie. Alors, du coup, le stress oxydatif, l'ennemi numéro un, c'est ce qui nous fait vieillir prématurément et c'est ce qui correspond à 70-80% de notre vieillissement. En gros, 3 rides sur 4, c'est lié au facteur extrinsèque. Et oui, c'est énorme, 3 rides sur 4. Donc, du coup, au niveau de la peau, ben, tu t'imagines bien que tu aimerais bien t'en passer de ces 3 rides sur 4. Comment bah, on va faire? Eh ben, on va lutter contre ce stress oxydatif, contre cette inflammation. Et pour ça, on va aider le corps, justement, à lutter contre ce stress oxydatif, qu'on appelle l'inflammaging. L'inflammaging, on en parle beaucoup, vous le savez, en formation Cornéo. Donc, on ne va pas revenir dessus. Je vais simplement vous montrer cette slide-là, le vieillissement cutané, où on voit bien que le stress oxydatif, eh bien, c'est lié à la pollution, au tabac, traumatisme, hygiène de vie, UV. Les mauvais soins cosmétiques appliqués sur le visage, des techniques trop abrasives constantes. Et puis, je vous ai fait du coup le récap sur cette slide-là. La pollution, c'est terrible, hein. On sait qu'il y a des particules de pollution qui sont 20 fois plus petites que la taille de nos pores, donc qui pénètrent. Ces particules vont pénétrer. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait de l'inflammation. Et ça nous donne ce vieillissement prématuré. Donc, comment on fait pour donner à notre peau, à notre corps,
la capacité de mieux se défendre et de pouvoir lutter contre ce stress qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule et qui s'accumule au nôtre. Et bien pour ça, voilà, la nutrition et la micronutrition, ça vient comme une nouvelle corde à l'arc de l'esthéticienne et de l'esthéticien, en plus de notre savoir, en plus de nos compétences, en plus de nos cures, de nos soins et de nos marques. On a la chance de pouvoir préconiser des très, 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 très beaux Nutri cosmétiques, les Skin Food Beauty. Alors du coup, Julien, qu'est-ce que on a comme nouveauté on commence par lequel collagène. Si on parle collagène, parce que c'est bien la tendance. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. On parlait de la star du moment. Formidable. Est-ce que du coup, c'est OK pour tout le monde pour qu'on parle de collagène? Marion a main levée, c'est OK? Jérôme, oui? Ouais, c'est top, allez, c'est super. On est parti, collagène, c'est à toi, Julien. Alors, donc, le collagène marin, pour faire un petit récapitulatif, même si vous avez peut-être déjà vu, certainement abordé le sujet du collagène avec Cécile ou Jérôme lors de formation. Hein, le collagène marin, c'est une prothèse. Le collagène marin, on le synthétise, hein, donc, c'est-à-dire qu'il est synthétisé de manière endogène par notre organisme. Or, sa synthèse, à partir de 40 ans, elle diminue et elle est accentuée par la diminution de cette fabrication. Elle est accentuée par des facteurs comme le stress, comme la pollution, comme la sédentarité, comme la mauvaise alimentation. Donc, c'est pourquoi, après 40 ans, à partir de 35 ans même, il peut être important à certains moments de la vie de pouvoir pallier à cette diminution de synthèse par le corps par un apport par un supplément nutritionnel en collagène. Sachant que le collagène marin, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, c'est la principale, c'est l'une des principales protéines structurelles de notre corps. Hein, donc, elle entre dans la composition du tissu conjonctif, du cartilage, des tendons, des os. Donc, c'est vraiment... Du coup, Julien, est-ce que tu as des infos sur d'où provient le collagène que vous utilisez, vous, pour justement cette gamme Natavea ? Oui, j'ai des infos, c'est du collagène marin de type 1, donc il y a plusieurs types de collagène, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a beaucoup de marketing autour de cela, oui. Mais on va dire que le type 1, c'est le collagène général, donc, qui est issu de peau de poisson, d'ailleurs qui viennent de la mer mer du Nord et mer de la Manche, donc c'est une filière plutôt on va dire, locale, mais française, et le type 1, c'est le type qui va aussi bien agir sur le côté articulaire que le côté peau. Voilà, donc il a un effet plutôt général, même si nous là il est axé, le nôtre est axé beauté, mais il va avoir un effet aussi bien sur les tendons, le cartilage, les articulations, que la peau, l'élasticité de la peau, que de renforcer la peau. Donc il a un effet assez général. Après, l'avantage, c'est qu'on essaie de le renforcer, notamment de la vitamine C, pour favoriser son assimilation au niveau intestinal. En bambou tabachir aussi, qui est riche en silicium, qui va notamment stimuler aussi cette fabrication de collagène, et puis apporter de la matière, de l'élément au niveau osseux, cartilage et au niveau de la peau. Et puis, on a également le petit plus du MSM, qui est un anti-inflammatoire. Donc, on a une formule assez complète avec un collagène qui est, on peut dire, biodisponible, bien assimilé par l'organisme. Et la forme, alors, et pourquoi une forme poudre plus qu'une forme gélule ou comprimée? La forme poudre permet de prendre des dosages de 4 à 5 grammes par jour, qui sont souvent les dosages recommandés si on veut une efficacité sur le long terme, si bien au niveau des articulations, et puis surtout là, au niveau de la peau, des rides, de l'élasticité de la peau, d'avoir l'effet anti-âge. Et la poudre permet facilement une grosse cuillère à café, on arrive quasiment à 4 à 5 grammes de collagène dans notre quotidienne, qu'on peut diluer dans un verre d'eau, dans un jus de fruits, même dans une compote ou dans un yaourt. D'accord. Est-ce que, Jérôme, le collagène, bon, pour toi, j'imagine que tu as déjà pas mal de choses à nous donner comme info, on le prévoirait dans quelle indication pour nous en esthétique, peau, corps, à quel moment on pourrait le préconiser et justement le mettre en avant? Est-ce qu'il y a une saison dans l'année? Est-ce que voilà, on part sur un âge? Est-ce qu'on le fait du préventif? Est-ce qu'on en le fait en curatif? Est-ce qu'on évite de faire certaines associations qui pourraient inhiber l'action du collagène? Ou au contraire, est-ce qu'il faut le marier à quelque chose pour optimiser son assimilation?
Alors effectivement, il faut le marier à d'autres ingrédients et d'autres molécules. C'est pour ça que là, la formulation est intéressante. Comme Julien le disait, on va retrouver de la vitamine C, on va retrouver du soufre et on va retrouver également une source de silicium avec le bambou tabagique. Donc tout ça, ça fait des ingrédients qui vont permettre d'optimiser l'assimilation et l'utilisation du collagène. Après, c'est vrai que le collagène, il va baisser avec l'âge. Comme la baisse, elle s'accentue vraiment à partir de 40 ans, on pourrait dire que c'est la période, voilà, 40 ans, les années après, l'après-ménopause, où ça va être son usage de prédilection et puis les années qui vont suivre aussi. Mais après, il va falloir s'adapter justement au terrain de chaque personne, à la qualité de sa peau, parce qu'il y a des personnes qui vieillissent beaucoup plus vite, entre guillemets. On peut avoir des personnes de 30 ans, finalement, qui vont avoir une peau ou qui vont avoir un organisme d'une personne de 40, d'une personne de 50, d'une personne de 60. Tout va dépendre un petit peu de l'hygiène de vie qu'ils vont avoir eue, des conditions dans lesquelles voilà, ils vont évoluer dans leur vie. Donc, on pourrait très bien l'utiliser avant. Mais c'est vrai que la période charnière, c'est souvent la quarantaine, voilà, plus ou moins 5, 8 ans. D'accord. Du coup, le collagène, on est d'accord, les filles, ça vous le savez, à partir de 25 ans, ça baisse, mais à partir de 40 ans, là, on est sur un ordre de 1%. Hein, au niveau des études, c'est ce qui ressort. 1% de collagène en moins par an, et puis au moment de la ménopause, c'est même 2%. Du coup, au niveau articulaire, au niveau peau, hyper important, parce qu'en effet, ce collagène de type 1, au niveau du derme, on en a besoin, hein, pour structurer le collagène qui va soutenir la jonction dermo-épidermique et qui elle-même, cette jonction dermo-épidermique, alimente la couche basale, les cellules souches qui vont du coup nous permettre d'avoir un épiderme fort et cet épiderme protecteur. Ok, bon, bah écoute, un très beau collagène. Est-ce que par rapport à la nutrition, est-ce que vaut mieux que je le prenne le matin, le midi, le soir? Est-ce que je fais attention à des aliments avec lesquels je pourrais le prendre? Je le prends dans la journée, hors des repas? Alors, l'usage, il va pouvoir se faire dans différentes situations. On va éviter de le mettre dans des aliments chauds. Donc, par exemple, on ne va pas le mettre dans une boisson chaude parce que sinon, on va neutraliser la vitamine C, par exemple. Donc, il vaut mieux que ça soit utilisé voilà, on pourrait dire, un laitage végétal ou pas, dans une compote, dans un verre d'eau, comme disait Julien. Voilà. Où on peut même l'intégrer des fois à des préparations, mais qu'on laisse refroidir avant de l'intégrer. Donc, D'accord. on peut le OK. saupoudrer, on peut même le saupoudrer sur une crudité. OK. Eh bien, super. Donc, un très beau produit, collagène, c'est la tendance. Et eh bien, aujourd'hui, en effet, vous êtes capable de le proposer, de le vendre et de le proposer. Alors, à savoir que voilà, le collagène marin en prix hors taxe, il est à 12,82 euros et vous l'avez dans le bon de commande. Le nouveau bon de commande est arrivé avec les nouveaux produits. Donc, si vous ne l'avez pas, un petit mail à contact et puis comme ça, on vous l'envoie. Donc 12,82 €. Je vous rappelle que si vous avez acheté trois produits, le quatrième est offert. Donc je vous fais un calcul très simple parce que je trouve intéressant 12,82 eh bien, fois 3 égale divisé par 4. Ça vous me fait la boîte à 9,61 €. Donc, du coup, ça laisse la possibilité de faire tout un tas de choses, justement, avec ce collagène. Et puis, quand je vois, moi, le prix du collagène qu'on trouve sur Internet avec les produits qui sont à boire, et vous les avez toutes vues, ces produits collagène qu'on nous propose beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers. Donc là, vous vous rappelez, il est vegan, il est végétarien, il est issu de produits naturels. Donc, vous avez un très beau collagène à mettre en avant à un tout petit, petit, petit prix. Alors, Est-ce que... juste, Oui? il n'est pas exactement vegan parce qu'il est issu de poisson. Hein. Alors, pardon si j'ai dit une bêtise, j'ai cru le voir, Voilà. mais je suis peut-être allée trop vite et tu fais bien de me reprendre. Eh Voilà, bien, il ouais, est mais issu c'est un poisson de. vegan. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, du coup, vous avez un très beau collagène, mais pas vegan. Allez, est-ce qu'on peut partir sur le Chaga Bio? Comme ça, moi, je déroule le catalogue dans l'ordre. Julien, tu peux nous parler du Chaga Bio, peut-être sous son aspect technique, laboratoire, extraction. Et puis, comme ça, Jérôme, il nous parle un peu plus des indications pour les personnes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et juste, ah oui, avant de passer sur le chaga, une petite Ouais. précision juste par rapport au collagène. Quand tu expliquais ce que l'on retrouvait sur le marché, et à noter, nous, notre collagène marin, enfin, la référence, il y a 90% de collagène dans le produit, le reste, ce sont les autres actifs, à savoir que souvent, plus sur le marché, dans un pot, quand vous avez 100 grammes
100 grammes de produit, vous avez parfois 50, 60, 70% de collagène et avec des additifs à l'intérieur, hein, de la maltodextrine ou des arômes, pour pouvoir lui donner un meilleur goût, sachant que le collagène, il est neutre au niveau du goût, il n'y a pas d'accord. Voilà, il y a le dosage aussi qui est important et souvent supérieur. C'est super que tu nous donnes cette info-là, ouais. Voilà, souvent dilué avec d'autres actes à vérifier, pas toujours, mais en tout cas. D'accord, les filles, vous avez retenu un super, super important. Par contre, je me permets du coup de revenir sur le côté vegan, parce que je suis désolée, mais finalement, c'est bien ce que j'avais lu. 100% naturel, vegan, végétarien, non OGM, et c'est des poudres. Alors, vegan, pourquoi ? Peut-être que Julien, tu peux nous expliquer pourquoi c'est inscrit vegan. Ça convient aux vegan, malgré qu'en effet, on est sur du collagène marin ? Non, je pense que c'est plutôt une... C'est une boulette, on va dire que c'est une boulette. On a déjà dû me le faire remarquer, une coquille à mettre à jour. D'accord, ok. Je ne l'exploiterai pas. Végétarien, oui, mais vegan, non. D'accord, super. Ça reste de la peau de poisson, mais non. Écoute, c'est pas grave, ça permet quand même de mettre l'accent dessus. Et en effet, la nuance, elle est importante. Eh bien, allez, c'est parti, je te laisse enchaîner sur le chaga. Oui, alors le chaga, c'est un champignon médicinal qui a été mis en avant à l'époque du... Donc, on ne sait pas trop en France, mais qui a été mis en avant plutôt à l'époque du Covid pour ses effets sur l'immunité. Donc c'est un champignon qui va pousser notamment sur certains arbres. Le chaga peut pousser, c'est un champignon qui peut pousser directement sur les troncs d'arbres et qui peut faire plusieurs mètres de haut. Voilà, on peut retrouver sur les bouleaux, sur les aulnes, sur les hêtres, et puis sur d'autres espèces de feuillus. Et voilà, en fait, le champignon va parasiter son hôte, enfin l'arbre, en se servant des blessures non cicatrisées, et s'immiscer à l'intérieur du bois. Donc c'est un champignon qui est assez costaud, et son développement peut prendre 10, 20, 30 ans, et à l'extérieur même plusieurs années. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un chaga d'avoir une variété de chaga qui doit récolter sur les arbres, parce qu'il y a différents types de qualité de chaga. Et donc, c'est un champignon qui peut résister à des conditions climatiques extrêmes. On trouve en Russie, on trouve aussi au Canada, un petit peu en Europe du Nord également. Et voilà, et il y a des... Il a été utilisé par les... son utilisation est plutôt millénaire. Hein, il a été utilisé depuis assez longtemps. D'accord. Et voilà, donc il a des effets vraiment très puissants au niveau de l'immunité. Donc voilà, problématique de stimuler l'immunité en favorisant le développement des globules blancs comme les lymphocytes, dont les lymphocytes T, on en a parlé aussi. Il y a eu pas mal aussi de documentation, enfin d'études par rapport aux certaines personnes qui le conseillaient par rapport à des compléments de chimiothérapie. Donc il ne va pas soigner le cancer, mais en tout cas, En complément de chimio, il est aussi un champignon qui peut être assez intéressant et qui va être immunomodulateur, donc qui va stimuler l'immunité, mais sans être trop violent. Alors, on n'ira pas sur ce terrain-là, nous, tu sais, on ne fera pas d'allégation là-dessus. Par contre, bon, pourquoi pas à savoir, mais c'est vrai que sauf si études à l'appui et qu'à ce moment-là, on peut passer les études. Mais attention, les filles, juste au discours et l'info, elle est super intéressante. Je me permets juste de dire attention à ce que vous dites sur Internet ou à vos clientes, parce que nous, on est dans l'esthétique, donc on ne va pas se permettre ce genre d'allégation. Et également, l'autre effet qui nous intéresse, c'est l'effet antioxydant. Donc, il a une puissante action antioxydante. Donc, radicaux libres, responsables du vieillissement. Bon, on a parlé il y a deux secondes, en plus. Mmh. Ouais. OK. C'est aussi un effet qu'il a qui est intéressant. Il contient notamment de la SOD, qui est la superoxyde dismutase. Superoxyde dismutase. OK. Voilà, ça va permettre de Eh ben, lutter contre les radicaux libres et le vieillissement de l'organisme. Ok, donc un joli champignon que moi je ne connaissais pas, donc que j'ai découvert avec cette nouveauté. Jérôme ?
Oui, alors c'est vrai que c'est un champignon qui est intéressant et comme Julien le disait, il est utilisé en, je dirais, en médecine traditionnelle, populaire en Russie ou dans des pays d'Asie, mais il existe aussi en France, mais on le considère uniquement comme un parasite de certains arbres et donc il n'est pas du tout utilisé historiquement dans la pharmacopée française et européenne. Européenne. Mais il a toutes ses propriétés et notamment il contient ce qu'on appelle des polymères de glucides, c'est-à-dire des glucides complexes. Qui sont des polysaccharides qui, justement, vont être à l'origine des propriétés immunostimulantes sur le système immunitaire. Donc, c'est vrai que c'est des champignons, comme beaucoup de champignons médicinaux d'ailleurs, qui ont ces propriétés-là, vont nous permettre voilà, de renforcer notre système immunitaire, stimuler la production de globules blancs. Donc, c'est intéressant chez des personnes qui auraient cette fragilité, ou alors quand on va aborder des saisons où on sait qu'il va y avoir un peu plus, par exemple, d'infections hivernales, de gastro-entérite. Donc, c'est intéressant. Et effectivement, ces apports aussi en antioxydants vont être très intéressants dans le ralentissement du vieillissement, puisque comme tu le disais au départ, les radicaux libres sont une des causes de vieillissement, avec en plus voilà, le stress, l'alimentation ultra transformée, le manque de sommeil, et puis et voilà, un peu tous ces aspects-là qui vont rentrer en ligne de compte. Donc une bonne source d'antioxydants, d'autant plus que ces antioxydants, en plus de ralentir le vieillissement, ils vont aider à ce qu'on appelle la détoxification hépatique. Il y a plusieurs phases de détoxification dans le foie et le foie a besoin de beaucoup d'antioxydants à ce moment-là pour combattre les radicaux libres et ça permettra d'avoir une action sur une meilleure fonction du foie, notamment pour mieux digérer. Et puis, petite cerise sur le gâteau, c'est un champignon qui va aider à réguler la glycémie, il est hypoglycémiant. Donc, comme on sait que l'alimentation, on va dire moderne, transformée, est très riche en sucre, ou qu'on mange trop de glucides d'une manière générale parce qu'on mange beaucoup de féculents, ben, ça permettra de favoriser une meilleure glycémie. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut manger 2 pots de Nutella par jour en mangeant ce champignon, mais Pas de marque, pas de marque, pas de marque. ne pas tartiner, pardon. Surtout pas. Bon, alors c'est un très beau champignon qui a plein de qualités. Il est top dans la saison, naturel. Encore une fois, très joli. Pourquoi, Julien, tu sais, ils sont partis sur ce champignon-là plutôt qu'un autre? Bah parce qu'il y avait, on trouvait, on a trouvé ses propriétés intéressantes, le fait d'allier l'effet immunitaire à l'effet antioxydant naturellement, sans avoir à le mélanger avec d'autres actifs. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'offres sur le marché non plus. Donc c'était pour ça également sous forme de poudre en plus. OK. Et alors, du coup, ce produit-là, il est proposé à 13,97 € hors taxe. Donc, encore une fois, quand vous en avez acheté trois, vous en avez un gratuit. Donc, quand vous en achetez trois plus un gratuit, ça vous ramène la boîte à 10,48 €. Donc, encore une fois, on a des tarifs qui sont très intéressants pour des produits qui sont français et qui ont autant de bienfaits, d'expertise et de fabrication. Est-ce que l'on peut passer, alors toujours pareil, je fais dans l'ordre, au trio zinc D3 que l'on connaît un peu, mais il est tellement formidable. Est-ce qu'on peut en reparler rapidement, le trio zinc D3? Yes, we can. Tout à fait. Allez. On peut en parler. C'est parti. Donc le trio zinc D3, donc c'est un. Là, ce sont des comprimés à sucer à la fraise. Hein, donc dans l'idéal, on le prend sublingual, donc sous la langue. Voilà, il a un bon goût de fraise et on laisse le comprimé se déliter sous la langue. Ça permet d'assimiler le produit directement au niveau de la bouche, parce que l'absorption des actifs peut commencer dès la bouche. Donc là, c'est assez intéressant, cette forme d'absorption-là sublinguale. Alors, qu'est-ce qu'il contient, le trio zinc? Eh bien, comme son nom l'indique, pourquoi trio zinc? Parce qu'il contient 3 sources de zinc qui sont chélatées pour une meilleure assimilation trois sources différentes pour avoir une meilleure assimilation du zinc. Et le petit, alors, sachant que dans un comprimé, on a déjà 150% des apports journaliers en zinc, c'est un dosage qui est assez intéressant. Et on rajoute un petit peu de vitamine D. On n'est pas sur des dosages énormes de vitamine D, hein, c'est la cerise sur le gâteau. On va dire que bon, la vitamine D qui, comme vous le savez, un gros le régulateur au niveau hormonal, il va agir sur l'immunité, va aider la fixation du calcium sur les os. Donc, zinc plus D3, forcément, on a un effet boost sur l'immunité parce que le zinc va aussi agir, enfin, entre autres,
sur l'immunité, sur les problématiques de peau, de régulation du sébum. Bon, ça, Cécile, vous en parlez mieux que moi. Mais donc, c'est un produit qui est facile à... Du coup, qui est assez accessible et facile à prendre. Ouais. Un peu réticente à prendre de la poudre ou des gélules. Voilà, c'est un peu comme un, on prend un peu comme un bonbon, comme on prendrait un gummies, sauf que dans un gummies, en général, vous avez 80% de sucre et 20% d'actifs, à peu près. Voilà, donc là, l'intérêt d'Antiozinc, et puis un comprimé par jour est suffisant. Donc, avec sur un pilulier de 60 comprimés, on est sur 2 mois de cure. D'accord. Vitamine D, zinc, Jérôme ? Eh bien, je dirais pas mieux que ce qu'a dit Julien. Non, mais je rajouterais qu'on pourrait tout à fait l'utiliser en complément du chaga qu'on a vu tout à l'heure. Super. Voilà, comme le disait Julien, on a du zinc, on a de la vitamine D qui rentre comme cofacteur de plein de réactions biochimiques dans le corps et dont on connaît les effets sur la stimulation de l'immunité. Donc, on a quelque chose qui est vraiment complémentaire. Bon, eh bien... N'en jetons plus, la vitamine D, les filles, on en a bien parlé en cornéo. Vous savez à quel point c'est essentiel pour la kératinisation, prolifération, différenciation, pour avoir un épiderme fort, une couche cornée forte et donc du coup un rôle barrière. Donc zinc et D3, très très beau produit qui coûte 2,41 € hors taxe et acheté par 3, il vous coûtera du coup 9,30 €. Donc voilà un beau produit qu'on peut mettre dans le sac et sécable et puis en plus qu'il y a un petit bout de fraise. Allez, on passe du coup... à l'hyperlevure, oh formidable, hyperlevure vivante. Donc, quelle bactérie, d'où ça provient? Et puis Jérôme, tu nous donnes les indications et les bienfaits de cette hyperlevure vivante. Julien, ça provient d'où cette hyperlevure vivante que vous nous avez sélectionnée? Alors, hyperlevure vivante, donc elle est composée de différents éléments. Hein, on a en élément principal la levure de bière. Revivifiable qui est bio, qui va avoir un effet probiotique, donc colonisateur au niveau de l'intestin, hein, qui va participer du coup à l'enrichissement probiotique de la flore bactérienne. On a également décidé de rajouter à l'intérieur du pollen qui est pas forcément connu pour ça, mais qui a aussi un effet intéressant au niveau intestinal et notamment prébiotique, donc qui va aider aussi la flore bactérienne. Et puis le petit plus étant la mélisse qui va être une plante plutôt calmante, mais aussi calmante de l'intestin, antispasmodique, donc qui va participer également au bien-être intestinal. Donc là, on a un produit qui est assez complet l'intestin étant notre second cerveau, hein, et c'est 70% de nos défenses immunitaires, si je ne me trompe pas, Jérôme me corrigera pour le. Passe par l'intestin, donc voilà, il est important de bichonner, et là, ça permet d'aider à réensemencer la flore bactérienne de manière douce. Ok, donc là, en fait, on voit quand même pas mal de choses sur l'immunité. L'air de rien, on a le chaga avec ce champignon, on a le triozinc D3, puis là, on est en train de voir l'hyperlevure vivante bio. Alors, du coup, Jérôme, des indications pour la santé, pour le bien-être, pour l'esthétique aussi, de conseiller ce produit-là à nos clientes et clients? Alors oui, parce qu'on sait déjà depuis maintenant longtemps qu'il y a un lien entre notre deuxième cerveau, le système digestif, et en particulier la flore intestinale et toutes les autres flores. Donc, il y aura un lien entre la flore intestinale et son bon équilibre et la flore cutanée, par exemple. Donc, on va avoir un mécanisme sur la réduction des inflammations cutanées en prenant soin de son microbiote intestinal. Et la levure de bière, elle est bien connue pour ça. Et en plus, elle apporte, comme le pollen d'ailleurs, hein, qui est contenu dans ce produit, plein de micronutriments qui vont être intéressants en termes de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Et puis, ce qui est intéressant dans le produit, c'est qu'il contient aussi de la mélisse. Et la mélisse, elle va participer aussi par ses mécanismes antispasmodiques, équilibrant du système nerveux, à se sentir plus apaisé, avec moins de sensations désagréables dans le ventre. Donc, on est vraiment sur un confort digestif, au sens j'ai moins de douleurs dans le ventre, et puis je prends soin de mon microbiote. Donc, on sait que ça influencera sur la peau et la qualité de la peau après. Ouais. Ok, donc finalement, on voit qu'on a une hyper levure vivante et en plus bio. Donc, on a encore une fois un très beau produit
les bienfaits de venir restaurer, accompagner et soutenir notre flore intestinale n'est plus à faire. Ça fait des années qu'on en parle et ça fait déjà des années aussi qu'on en parle, nous, sur nos formations. Et vous savez, le rapport qu'on a avec justement cette microbiote intestinale et cette microbiote cutanée, qui aujourd'hui, la microbiote cutanée, elle est autant attaquée que la microbiote intestinale. Donc, et soutenir cette microbiote intestinale, eh ben, ça aura que des effets bénéfiques sur la peau. On est sur un produit donc bio qui est à 13,97 € et du coup, que vous pouvez toucher en achetant trois produits, vous avez le quatrième offert à 10,48 € hors taxe. Donc, trouver, j'ai envie de dire, des produits comme ça, hyper levure vivante bio à 10,48 €, ce qui fait que si vous faites un x2, vous êtes très compétitif sur une telle qualité de produits compléments alimentaires. C'est des gélules, pardon, je ne me souviens plus au niveau de la présentation. Oui, on est sur des gélules. Oui, ce sont des gélules, ouais, tout à fait. D'accord, 2 à 3 gélules par jour. Est-ce qu'on peut imaginer, Julien ou Jérôme, que ces 2 à 3 gélules par jour, de préférence au milieu du repas, ça s'est indiqué, mais est-ce qu'au bout d'un moment, j'ai fait un flacon? Est-ce que si je prends un deuxième flacon, ça peut être une gélule, 2 gélules plutôt que 3? J'en prends 3 pour faire une cure d'attaque et puis après, je diminue la dose et voire faire même 1 jour sur 2, 1 jour sur 3 au bout d'un moment. J'arrête même, okay, comment je le prends? Oui, de toute façon, pour l'ensemble des compléments alimentaires, la préconisation de base, ça sera de ne pas les prendre du 1er janvier au 31 décembre et puis de faire des pauses régulièrement. On appelle ça des fenêtres thérapeutiques. C'est justement pour éviter, par exemple, que le corps s'habitue, produise moins d'enzymes pour aller extraire ce dont il a besoin de l'alimentation, par exemple, ou que ça fasse baisser les mécanismes, je dirais, naturels du corps pour produire telle ou telle molécule. Donc, il y a toujours intérêt à faire des pauses de temps en temps. Et là, ce qu'on va pouvoir faire souvent avec des compléments qui sont à usage de probiotiques, comme la levure, eh ben, on peut faire une cure d'attaque, par exemple, sur 1 mois. Et ensuite, les 2 mois suivants, eh ben, on va prendre, comme tu le disais, 1 gélule par jour au lieu de prendre les 3 gélules. Ou alors, on peut faire 3 gélules par jour, mais sur 10 jours. Le 2e mois, sur 10 jours, le 3e mois, pour continuer à entretenir, mais avec des doses qui vont être des périodes plus courtes ou des doses plus courtes, plus petites. Ok, très bien. Allez, c'est super. Merci pour toutes ces informations. On passe au prochain. Alors, mémocycle. Yes. Allez, alors, Julien, je te laisse aller. Alors, le mémocycle. Voilà, mémocycle, alors... il est là. On avait pas mal de demandes d'avoir un produit qui puisse agir sur les problèmes ménopause, problématiques ménopause, préménopause, mais aussi liés au cycle, les douleurs, ce qu'on appelle le syndrome prémensuel, lié au cycle féminin et aux règles. Et on nous demandait aussi d'avoir un produit qui soit sans sauge, qui peut, voilà, avoir un effet œstrogénique assez fort ou assez violent, pas toujours bien toléré et en fonction des antécédents que l'on peut avoir au niveau des cancers du sein. Donc le ménocycle est un produit que l'on a développé pour répondre à toute cette demande. Alors on utilise notamment l'angélique chinoise, qui est une plante utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise depuis bien 1000 ans, si je ne me trompe pas, et qui va être intéressante parce qu'elle va avoir un... Alors, elle a un effet phyto-œstrogénique, mais pas qui n'est pas violent, et elle va être intéressante pour lutter contre les symptômes comme les bouffées de chaleur, comme les maux de ventre aussi en période de règles. Voilà, pour limiter les syndromes prémensuels et également les bouffées de chaleur et liées à la ménopause. Et on a renforcé. Alors, le produit a été aussi renforcé avec des oméga-3, notamment les EPA-DHA, qui sont les précurseurs, qui sont les précurseurs les plus importants, ceux qu'il faut avoir pour créer toute la chaîne des autres oméga-3, c'est l'EPA et le DHA, pour avoir un effet notamment anti-inflammatoire. On a la mélisse, qu'on a sélectionnée sous deux formes, sous forme d'extrait et sous forme d'huile essentielle pour une meilleure efficacité de la mélisse. On en a parlé tout à l'heure, mais qui a un effet antispasmodique, notamment au niveau intestinal, mais qui va aussi aider à calmer
aider à détendre, notamment pour l'irritabilité pardon, liée aux périodes de désordre, on va dire, hormonal. La mélatonine, elle, qui va avoir une activité calmante, qui va aider pour le sommeil, donc pour le bien-être, pour un bien-être général à ces périodes. Et puis, on a aussi le coenzyme Q10 que tu connais, chère Cécile, qui a une activité antioxydante importante. Donc voilà, on a un cocktail là qui est vraiment super complet et pour efficace aussi bien sur la ménopause que le syndrome prémenstruel. Alors du coup, moi, ça me fait quand je vois du coup toute la composition, les bienfaits, je me demande, et puis ben, Jérôme, peut-être que toi, tu sauras me répondre. Imaginons, moi, je ne suis pas en ménopause, je ne suis pas en syndrome préménopausique, mais est-ce que je pourrais le prendre et pour quelles raisons? Est-ce qu'un syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que d'autres troubles ou même rien? Je suis en bonne santé, mais est-ce que je pourrais le prendre? Alors, il peut y avoir des situations effectivement où on va le prendre. Il faut toujours, quand il y a des troubles du cycle, vraiment faire attention et si la personne a des troubles importants, ben, l'orienter chez son médecin traitant en plus de l'accompagnement qu'on peut mettre en place. Mais tout à fait, comme c'est une plante qui a des effets anti-inflammatoires, des effets antalgiques, antispasmodiques et régulateurs hormonaux, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, dans les troubles du cycle de type aménorrhée, dysménorrhée, syndrome menstruel, qui peuvent se produire voilà, tout au long de la vie de la femme. Ok, bah c'est une super nouvelle, ça, parce que pour le coup, on n'y aurait pas pensé. Et puis, quand je vois la compo, je me dis, mais c'est limite dommage de peut-être pas l'optimiser sur bah, d'autres problématiques sur lesquelles c'est difficile à vivre pour nous les femmes, toutes ces douleurs, toutes ces problématiques qu'on peut avoir avec nos menstruations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut conseiller en dehors de la simple, entre guillemets, ménopause. Et donc, il y a le côté fatigue aussi qui peut être présent dans les troubles du cycle, et ça va agir dessus. Alors, même si, comme disait Julien, elle a une petite activité œstrogénique, ça reste des œstrogènes, enfin, ce ne sont pas des œstrogènes comme ceux produits par les ovaires chez la femme, ça s'appelle phytoœstrogènes, c'est-à-dire des molécules qui ont la même forme mais qui n'ont pas du tout la même composition chimique, donc l'action est toute petite, mais c'est vrai qu'on a en France toujours un peu un principe de précaution lié à ce qu'on appelle ces phytoœstrogènes. Le nom est pas bon. D'ailleurs, on devrait les appeler des modulateurs aux récepteurs œstrogéniques. Mais c'est un petit peu comme les polémiques sur le soja ou les choses. D'accord. Comme... Bon. Hormis s'il y a vraiment une personne qui a un cancer hormonodépendant ou des risques très importants de cancer hormonodépendant, voilà, il y aura quand même un peu un principe de précaution. D'accord. Et on peut retrouver aussi, si on utilise cette plante, par exemple, en l'été et qu'on s'expose beaucoup au soleil sans protection, c'est une plante qui semble avoir des petits effets, comment on appelle ça, dermosensibles oui. À l'exposition au des soleil. Des photosensibilisants. Photosensibles, voilà. Donc, on va plutôt la conseiller de la prendre en fin de journée, surtout si on doit s'exposer au soleil, mais sinon, ça peut être pris à d'autres moments. Ok, ben ouais, super produit avec ce petit plus qu'on découvre et que finalement on peut le conseiller à beaucoup de femmes, à beaucoup d'entre nous. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle là, qui est écrit en bleu. Est-ce que Julien, tu peux nous en dire un peu plus sur le sel absorbe? Oui, le sel absorbe, c'est un complexe que l'on a développé, que l'on retrouve dans certaines formules Natavia, notamment les complexes. Donc, c'est un complexe que l'on a développé qui va avoir un peu une activité, je dirais, coenzymatique, c'est-à-dire il va favoriser le but de ce complexe. Il représente 1% de la formule, mais c'est le petit plus, c'est aussi la cerise sur le gâteau, et qui va favoriser, le but étant de favoriser l'assimilation des autres actifs de la formule, aussi bien au niveau intestinal qu'au niveau cellulaire. Donc ce complexe, il est en plus 100% bio. Hein, on a un peu de l'alchimie parce qu'il y a de l'huile essentielle, il y a des huiles essentielles, il y a des fleurs de Bac, il y a des plantes comme on a le bambou tabachir dedans à l'intérieur, on a du romarin également. Donc voilà, le but étant de favoriser la biodisponibilité, voilà, l'assimilation des actifs, le passage au niveau intestinal et l'assimilation au niveau cellulaire. Donc ça va renforcer
l'efficacité du produit. Ok, eh ben, très bien. Merci pour l'info. Ce produit-là, il est à 20,97 € hors taxe et 3 plus 1, vous le touchez du coup à 15,73 € hors taxe. Bon. Du coup, quand vous en achetez 3, vous en avez un gratuit. Petite précision sur, pour rajouter sur ce que disait Julien, moi que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, d'avoir ce complexe, elle absorbe. Quand on sait qu'il y a beaucoup d'inflammation intestinale, qu'il y a beaucoup de porosité, qu'il y a beaucoup de perturbations de la flore, d'avoir ce petit complexe qui va contribuer à une meilleure assimilation des micronutriments, ben, c'est sympa, ça évite de dépenser son argent et que ça parte aux toilettes après ou que ça ne soit pas bien assimilé. Donc, il y a vraiment cet intérêt. Et d'ailleurs, dans beaucoup de produits du laboratoire, on va avoir cette particularité, pas forcément du sel absorbe, mais d'avoir plusieurs formes galéniques. On va avoir des fleurs de Bac, on va avoir de l'huile essentielle, on va avoir des extraits à queue. Et ça, c'est vraiment une spécificité du laboratoire aussi qui va augmenter l'efficacité des principes actifs. On l'aime, ce laboratoire, et tu vois, tu as répondu en fait à ma question avant même que je la pose, justement sur le fait qu'on n'est pas toujours au top au niveau intestinal et que du coup, on sait que ça va venir contraindre l'assimilation des actifs. C'est chouette que t'en parles. Est-ce que dans le cas où on ne retrouve pas du sel absorbe, tu viens de le dire, les différentes galéniques, ça aide quand même à une meilleure assimilation. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que l'hyperlevure vivante bio, donc de Natavea, c'est un produit qu'on va conseiller peut-être souvent, histoire de faire un petit reset avant de préconiser le collagène, avant de préconiser le ménocycle, le triozinc D3. Est-ce que ce serait une valeur sûre de démarrage de commencer par l'hyperlevure? Alors, moi, je trouve que ça peut être vraiment un petit geste dans son hygiène alimentaire au quotidien d'aller utiliser cette hyperlevure, comme on peut être habitué, par exemple, à prendre un petit paquet de levure de bière et à saupoudrer sur sa salade. Eh bien, on peut aller utiliser cette hyperlevure de cette manière-là. Ok, ça roule. Donc, on a un petit geste comme ça au quotidien, qu'on va peut-être oublier de temps en temps, mais qui sera là un peu présent à nos côtés tout au long de l'année, de temps en temps, et qui va venir contribuer à entretenir ce microbiote. Nous garder en bonne santé et favoriser l'assimilation des doses d'actifs de nos compléments alimentaires. Alors, un joli produit qui se présente aussi, je sais, je dis qu'ils sont jolis à chaque fois, mais j'y peux rien, moi je les trouve chouettes. Merci. Du coup, on est sur magnésium, taurine, plus la B6. Est-ce que du coup, allez, je fais un petit revirement de situation, j'interroge Jérôme du coup en premier sur magnésium, taurine et B6, qu'est-ce que tu en penses pour le corps, pour la peau? Ah ben, moi, je trouve que c'est le magnésium, c'est hyper intéressant parce que c'est un minéral qui rentre dans plein de réactions chimiques dans le corps, là aussi, et donc qui va permettre de contribuer à équilibrer beaucoup de mécanismes. Et puis, on vit dans un monde qui est souvent très rapide, très stressant, avec beaucoup de sources qui vont venir nous perturber. Mm-hmm. Et le système nerveux utilise beaucoup de magnésium. Si à ce moment-là, on n'a pas suffisamment de magnésium dans son alimentation, parce que de toute façon, cette alimentation, elle est hyper transformée, donc elle est encore plus pauvre en magnésium. Donc, on n'en a pas dans l'alimentation, ça ne vient pas en soutien pour nous protéger un petit peu de cette hypersensibilité au stress et de tous ces signaux de stress qui nous entourent. Eh bien, le magnésium va pouvoir s'utiliser pour venir combler ces carences et nous soutenir dans ces périodes un peu plus difficiles. Donc, c'est vraiment le coup de pouce sous forme de cure qu'on va pouvoir utiliser plusieurs fois dans l'année quand on anticipe des périodes un petit peu plus difficiles, quand on vit des périodes un petit peu plus difficiles sans forcément les avoir anticipées. C'est quand même quelque chose de très intéressant qui va nous apaiser. Et puis le magnésium, il va participer à la détente nerveuse, à la détente musculaire. Quand on se sent apaisé, tranquillisé, ben on se sent vieillir moins vite quand même. En plus, quand on est stressé, qu'on dort mal, on est stressé, on dort mal, etc. Puis du coup, ça crée une acidification au niveau justement de l'estomac. Donc du coup, on est encore moins dans la capacité de retenir ces micronutriments essentiels comme le magnésium. Donc la complémentation, elle a vraiment son importance dans ces grosses périodes de stress. Julien, écoute, je vois que sur ce produit, on a de la chance, on a le sel absorbe.
Est-ce que tu nous donnes une information supplémentaire pour ce produit-là qui peut du coup parler à tout le monde, hommes et femmes? Tiens, est-ce que du coup les adolescents qui sont stressés, les étudiants, à partir de quel âge on pourrait le préconiser aussi? Ça peut être une information intéressante. Il y a le bac hein, qui s'approche petit à petit. Ouais, bah à partir de. Enfin, moi, je ne vois pas de problématique à partir de 10 ans. C'est un produit qui peut être utilisé sans problématique pour moi. Après, les dosages ne sont pas les mêmes à 10 ans qu'à 15 ou qu'à 20. On va pas être sur la posologie de 1 ou 2 comprimés par jour. On va plus être sur un comprimé total, 3 à 4 comprimés, 3 comprimés dans la semaine quand on va avoir. Alors, quand on se rapproche de l'adolescence, 14-15, on peut être sur des doses, quasi des doses de l'adulte. Après, ça dépend, effectivement, en période d'examen, il peut être intéressant d'en prendre un petit peu à 15 jours avant et pendant la période. Et voilà, à noter aussi que là, qu'on peut le prendre aussi bien à avaler ou en comprimé à sucer. Il est aromatisé fruits rouges, donc il est plutôt bon au niveau du goût. Hein, le sublingual est toujours intéressant. Pour la diffusion. On a aussi l'autre magnésium chez Naturège qui est intéressant, mais celui-là aussi, hein, voilà, le côté sublingual va encore favoriser son assimilation et sa disponibilité, même si on a le complexe et l'absorbe à l'intérieur. Puis on a deux formes de magnésium. On a le magnésium marin, et on a également glycérophosphate qui est assez bien toléré au niveau intestinal et qui va être bien assimilé, parce qu'il existe plein de sources de magnésium différentes. Donc c'est intéressant d'avoir le marin et le glycérophosphate pour encore une meilleure assimilation. Et en plus, on a rajouté de la taurine, qui est un dérivé d'acide aminé qui va favoriser aussi son assimilation au niveau intestinal. Donc pour renforcer son effet anti-fatigue notamment. Donc, au top. Du coup, moi, ça me fait penser, je vois magnésium taurine B6, moi qui fais quand même pas mal de sport. Tiens, ça peut me faire du bien, justement pour les sportifs. Ah ouais, ça sera totalement adapté pour une meilleure récupération aussi, une meilleure récupération musculaire, pour éviter les crampes, pour mieux dormir après des efforts physiques. Pour monter à ça, un complément alimentaire. Ah, on a Élodie qui nous fait une remarque. De répartir les prises dans la journée, c'est-à-dire de ne pas prendre les deux comprimés en une fois, mais par exemple de prendre un comprimé un comprimé en fin de journée. D'accord. Ok. Bonne. Ça évite en fait d'aller saturer les mécanismes d'absorption intestinale du magnésium, et comme ça, on a plus de probabilité d'absorber la totalité. Ok, très bien. Donc, c'est un produit qui est à 11,66 € hors taxe. Et puis, pareil, petit calcul, x3 divisé par 4, eh bien, au lieu de 11,66 €, ça le met à 8,75 € hors taxe, du coup, ce produit-là. Eh bien, on va passer à un autre produit qui s'appelle, du coup, Oméga 3 Fort. Oméga 3 Fort, donc, sur la page 49 du catalogue, il est là. Du coup, qui veut nous faire un petit laïus sur cet Oméga 3 Fort? Alors, je vous le dis clairement, hein, on va certainement déborder d'un petit quart d'heure. On se rapproche des 20h30, donc on ne sera pas réglé sur l'heure. Mais ce n'est pas grave, il n'en reste plus beaucoup. Je vous le dis, pour vous les filles, il nous reste Oméga 3 Fort. Il nous reste du coup le chat. Et puis, on va arriver au bout. Donc, vous voyez, dans un quart d'heure, on aura terminé. Donc, Oméga 3 Fort, pourquoi on l'aime ce produit? Pour qui, pourquoi et à quel moment? Qu'est-ce qui fait de beau? Eh bien, je dirais pour tous, quasiment les oméga 3, parce que les oméga 3, c'est une base pour le fonctionnement de notre système nerveux, neuronal, pour la mémoire, pour la concentration, pour le système cardiovasculaire. Et donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, les oméga 3. Notamment, ils sont synthétisés en différentes chaînes, et les précurseurs sont les EPA et DHA. Donc, c'est vraiment c'est ceux que l'on retrouve, Jérôme me dira si je me trompe, mais le plus souvent dans les formes animales, hein, parce que dans les oméga 3 d'origine végétale, comme le colza par exemple, ou l'huile de Niger est intéressante, mais on n'a pas les mêmes teneurs en EPA et DHA que dans le règne animal. Même pas du tout. Ouais, voilà, même pas du tout. Mais... D'accord, ouais. Encore mieux. D'accord. Donc, Oméga 3 Fort, Jérôme, parce que là, moi, je vais marquer cholestérol, système nerveux et oculaire. On pourrait dire, l'esthéticienne, nous, cholestérol, système nerveux et oculaire, c'est peut-être moins notre domaine. Plus concrètement pour nous, pourquoi au niveau de la peau,
que ce soit corps-visage, hein, en quoi il nous est utile cet oméga-3? Alors, ben, je vais dire pour deux points principaux. Déjà, les oméga-3, ils vont avoir un effet anti-inflammatoire. Donc, quand il y a des troubles cutanés, souvent, il y a une inflammation. Donc, ça va permettre de réduire cette inflammation. Et puis, deuxièmement, il faut se souvenir que les oméga-3 font partie de la structure phospholipidique des membranes cellulaires. Oui. Si on veut des membranes cellulaires qui soient souples, qui soient imperméables, je dirais, aux déchets, aux toxines qu'elles ne devraient pas ingérer, entre guillemets, et que ça fasse vraiment une bonne barrière au niveau de la peau pour garder l'hydratation à l'intérieur, pour éviter les agressions de l'extérieur, eh ben, on a intérêt à avoir des oméga-3 dans son alimentation. Et comme le disait Julien, les EPA, DHA, ce sont les oméga-3 qui sont directement utilisables. Le corps n'a pas besoin d'aller, je dirais, activer toute la machinerie enzymatique, tous les cofacteurs vitaminiques, minéraux, pour aller les transformer, à la différence des oméga-3 qu'on en trouve par exemple, comme on le citait tout à l'heure, dans l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile de lin ou dans une salade de mâche. C'est un bel argument pour tester le produit. Aussi, voilà. Et comme aujourd'hui, notre alimentation a tendance à être appauvrie en ces micronutriments, ben quand on prend l'huile de lin, c'est toujours intéressant, mais on la transforme beaucoup moins. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'ils vont venir, ces oméga-3, corriger la balance oméga-3 oméga-6 qui est souvent en défaveur des oméga-3 dans notre alimentation moderne. On devrait à peu près avoir consommé un oméga-3 pour 4 ou 5 oméga-6. Aujourd'hui, ben, on est peut-être à 1 pour 10, 1 pour 20, 1 pour 30, et ce qui fait qu'on perd complètement l'effet des oméga-3. Donc, on a intérêt à en avoir dans son alimentation. Oméga-3, du coup… Oh, pardon, excuse-moi. Alors, du coup, oméga-3, membrane cellulaire, peroxydation lipidique. Les filles, peroxydation lipidique, ça veut dire que ma membrane cellulaire devient poreuse. Du coup, la cellule se dirige vers la sénescence, elle est abîmée, elle est attaquée au niveau de son ADN, automatiquement, vieillissement prématuré, tache, cancer de la peau. Donc, les oméga-3 forts, plutôt dans cette version animale, parce que mieux assimilée. On a un produit, donc, quand vous l'achetez 3 plus 1, à 8,89 €. Je répète juste que pour le bon de commande, si vous n'avez pas le nouveau, un mail à contact@mediageformation.com et on vous enverra le bon de commande. Il y a des questions, ne vous inquiétez pas, c'est prévu que je regarde après, mais la logistique est un peu plus compliquée, donc on fera tout en même temps. On va parler d'un produit qui s'appelle mélatonine. Hop, la mélatonine. Pourquoi la mélatonine qui est juste là? Eh bien, mélatonine et sommeil. Alors, c'est très, très bon pour la peau et c'est très, très bon pour le sommeil. Jérôme, une information sur cette mélatonine. Pourquoi on l'a sélectionnée et pourquoi on vous l'a mis dans le bon de commande? Ah ben, la mélatonine, en fait, elle est bien connue pour participer à un endormissement plus serein. Donc, comme souvent, le sommeil, c'est le premier qui va aller se détraquer quand il y a des sources de stress. Et le fait d'avoir un sommeil qui va être perturbé, ben, on sait que ça va avoir des implications sur la peau en termes de mauvaise qualité, de mauvaise régénération. Donc, on a tout intérêt à faire attention à son sommeil. Donc là, on va avoir de la mélatonine dosée à 1,8 mg qui, pris en soirée avant de se coucher, va pouvoir faciliter l'entrée dans le sommeil et l'endormissement. Et puis, on retrouve aussi deux plantes qui sont intéressantes, comme le pavot de Californie, qui va là aussi participer à être plus tranquille, plus apaisé, et qui va agir sur aussi le petit vélo dans la tête qu'on peut avoir le soir et les pensées parasites, donc c'est intéressant. Et puis la passiflore, voilà, qui a des propriétés hypnotiques, calmantes. Donc tout ça, ça en fait une synergie qui va être très intéressante. Après, un produit phare qu'on va aimer beaucoup. Comment ? Je dis un produit phare qu'on va beaucoup aimer pour nous et aussi à conseiller et à vendre. Mélatonine, comment c'est extrait ? Des informations peut-être supplémentaires, Julien, que tu peux nous apporter sur ce produit-là ? Oui, alors à savoir que la mélatonine, hein, c'est un produit qui sera bientôt disponible, hein, qui sera bientôt disponible au catalogue, hein, qui est une nouveauté qui va arriver incessamment sous peu. Voilà. En précision. Alors, la mélatonine, il y a différents types de fabrication pour la mélatonine.
En fait, la mélatonine, elle est fabriquée par rapport à un précurseur, par rapport au tryptophane. Tryptophane. Et le tryptophane qui est un acide aminé, en fait. Donc la mélatonine est extraite souvent à partir du tryptophane. Donc on la trouve pas forcément, sous sa forme naturelle. En fait, voilà, il y a une extraction qui est faite à la base pour la mélatonine. Alors, du coup, moi, je voudrais vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, regardez à droite le code barre. Si vous regardez les codes barres là, qu'on a à chaque fois sur les catalogues, vous n'avez pas vu? Il y a des petits cœurs. Il y a des petits cœurs qui sont joints, qui sont sur le code barre. Alors, du coup, je pose la question, Julien, pourquoi? Est-ce que tu es au courant? Oui, ça fait partie, c'est toujours dans l'optique de l'effet... de la biodynamisation des produits. Voilà, c'est. Eh oui. Ouais, ça fait partie d'un. Ah bah c'est une philosophie que. Voilà, philosophie. Voilà. Il a amené. On est sur un laboratoire qui est capable de nous mettre. J'ai pas ma boîte là, mais un magnète aussi pour justement la biodynamisation, pour couper les ondes. Et là, vous voyez que sur le code barre, c'est quand même assez fou, il fallait y penser. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Eh ben, ils ont mis des cœurs pour couper les mauvaises énergies qu'on pourrait avoir du coup de par le code barre et qui va venir contaminer un peu nos compléments alimentaires. Alors, quand moi, je vois des cœurs sur un code barre, je ne sais pas vous, mais je ne peux que aimer ce laboratoire et je ne peux que être dans la confiance dans les produits qu'ils vont nous donner et qu'ils vont fabriquer. Parce que si tu prends la peine de mettre des cœurs sur un code barre, ce n'est pas pour faire de la merde dans la fabrication des compléments alimentaires. Voilà, donc j'ai envie de dire que le webinaire, il aurait pu démarrer comme ça et finir comme ça. Les filles, il y a des cœurs sur le code barre, cherchez plus, vous achetez Vibraforce. Allez-y, fini, parce qu'il y a... Pas de question. Parce que trouvez-moi un laboratoire, s'il vous plaît, qui fait ça. Ouais, Célia, tu peux mettre un cœur. Vous pouvez mettre toutes des cœurs là sur... sur vos profils, parce qu'un laboratoire qui vous met des cœurs sur un code barre, ben, il n'y en a pas beaucoup. Et je suis super fière du coup de vous présenter encore une fois ce laboratoire que je kiffe grave. On finit par un petit produit qui est rigolo, qui est sympa, qui s'appelle le chat. Moi, il me fait rire, le chat. Le chat bio. Le chat bio, ouais. Il est assez rigolo. Alors, du coup, regardez, je vous montre ce que c'est. Voilà. C'est ça, le chat bio. Qu'est-ce que c'est, Julien? Bah alors déjà, pourquoi chat? Parce que chat, SHA, c'est pour spray, ce sont les initiales de spray hydroalcoolique. Hein, c'est pour ça. Et bah c'est vachement plus sympa. L'explication, mais chat, c'est rigolo. Ouais. Donc, vous connaissez le jet hydroalcoolique. Là, c'est un spray hydroalcoolique donc, qui contient de l'alcool qui va avoir un effet virucide et bactéricide pour désinfecter les mains. Mais on a décidé d'en faire un qui soit différent de tous les gels hydroalcooliques que l'on peut trouver, qui sont assez agressifs pour la peau. Et, écoutez les filles, hein, parce qu'il est extra produit. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a renforcé avec de l'aloe vera, qui va être douce, avec également du sésame, et avec aussi, pour renforcer son efficacité, mais sans être agressif pour la peau, des huiles essentielles comme le ravintsara et la menthe poivrée qui va aussi donner une odeur agréable. Donc, ce qui fait qu'on peut même aussi le vaporiser dans un espace, on peut l'utiliser pour le vaporiser notamment dans la voiture, par exemple. Donc voilà, ça permet d'avoir un spray qui va être efficace sur les virus, bactéries, mais qui va pas coller en plus, qui va pas coller ouais. au bout, qui va respecter ouais, le côté PEG. Oui, ouais, c'est vrai qu'avec les solutions hydroalcooliques de base, ça collait. Alors, en effet, Patrice m'avait expliqué qu'on pouvait le vaporiser dans l'air. Je crois qu'on peut même le vaporiser sur des surfaces. Oui, c'est possible. Ouais. Tu verras avec Patrice, mais je sais qu'il m'en avait parlé, donc à confirmer. En tout cas, vous voyez, c'est un spray de 30 ml qu'on peut avoir dans le sac. Est-ce que ça peut être le petit cadeau plus que vous offrez à la cliente? Du coup, voilà, c'est un très joli produit. Est-ce que de par la composition, Jérôme, tu as envie de rajouter quelque chose? Bah, je pense que Julien a tout dit, mais c'est vrai que là aussi, on voit l'attention à aller chercher certaines plantes médicinales pour des propriétés intéressantes. Hein. Comme tu l'as dit avec le Ravintsara, qui est une des huiles essentielles emblématiques pour ses propriétés antivirales, antibactériennes, anti-champignons.
Et puis voilà, un peu de menthe poivrée, l'aloe vera, le sésame. Voilà, on voit qu'il y a une attention vraiment intéressante dans la formulation. Et ben ouais, et moi je vous rajouterais pour l'avoir essayé, que ça ne dessèche pas les mains. Donc c'est quand même top. Tu as les mains qui sont bonnes, tu as les mains qui ne collent pas, et puis tu n'as pas les mains défoncées à force d'utiliser ton gel hydroalcoolique. Comme quoi, on est quand même capable de faire des produits d'hygiène qui sont respectueux de la nature, de notre peau, de l'environnement. Et que ça, c'est complètement possible. Voilà, donc on est arrivé au bout. On est arrivé au bout justement de ces nouveautés. Vous savez qu'il existe les trio pack beauté, le trio pack, le trio méno, le Q10. Voilà, tous ces produits-là phares qu'on a gardés dans le bon de commande. Il y en a certains qu'on a enlevés, d'autres qu'on a gardés, puis les nouveaux qui sont là et qui vous attendent tout beau, tout chaud, prêts à être répandus auprès de notre clientèle pour renforcer tout ce bonheur qu'on peut leur apporter en rétablissant l'intérieur et en travaillant sur l'extérieur. On est sur le in et le out. C'est très beau, c'est un très joli travail. Merci Julien de ta participation. Et merci Jérôme de toujours venir compléter avec autant d'expertise et de connaissances. C'est un puits inépuisable, ce Jérôme. Alors, du coup, comme promis, je vais quand même regarder les questions. Hop, je remonte. Du coup, Jérôme, tu avais répondu, il est sur tous les fronts, c'est super. Un apport collagène sur le long terme, est-ce que du coup, ça ne vient pas fatiguer nos fibroblastes? Est-ce qu'on doit faire attention à la prise de collagène? Alors, c'est ce que je mettais dans le commentaire. Oui, je viens de le voir, alors, oui. Faire attention, je dirais que ça fait, de toute façon, quand on mange des aliments de type viande, volaille, poisson, etc., on récupère du collagène. Le collagène, il n'a rien de nocif en lui-même. Ce sont des petites peptides, donc des petits bouts de protéines. Donc, c'est très bien. Mais c'est toujours intéressant de ne pas supplémenter le corps tout le temps parce que le corps, il a un principe où il va économiser son énergie. Et si on lui fournit toujours des choses, il va réduire certaines productions d'enzymes, certains mécanismes pour se dire « Ok, on me le fournit tout le temps, donc pas besoin que je l'active moi-même. » Donc, c'est toujours intéressant de faire des pauses. Donc, du coup, en fait, la question, elle portait sur le collagène, mais ça peut être sur n'importe quel complément alimentaire. C'est pour ça que tu disais de faire des fenêtres thérapeutiques. On retrouve. Et puis, j'ai envie de dire, tiens, est-ce que du coup, on ne pourrait pas faire un parallèle avec la cosmétique? Si j'amène toujours ce qu'il faut à ma peau en produits finis avec mes produits, mes crèmes, et la peau, elle ne travaille plus. Et au final, elle va perdre sa capacité de travail. Et puis, c'est se tirer aussi une balle dans le pied. Donc, c'est pour ça que nous, sur la Cornéo, on est dans cette philosophie-là. C'est de restaurer et de permettre à la peau de travailler elle-même, de se nettoyer, l'autophagie, de produire et de synthétiser elle-même et pas d'être constamment dans, je t'apporte du produit qui est tout fait, qui vient de je ne sais pas où, je te le colle. Et puis au bout d'un moment, en effet, la peau, elle devient feignante et elle ne fait plus. Donc c'était un peu le mot de la fin, ça tombe à point, c'est complètement cohérent. Merci à vous qui êtes présentes ce soir, on n'a pas trop débordé, j'avais dit écart, du coup on est bien, ça fait même 11 minutes. J'embrasse toutes celles qui, ceux qui vont nous regarder en replay, parce que vous êtes nombreuses, vous êtes inscrites sur ce webinaire-là, donc le replay sera disponible demain ou début de la semaine prochaine sur la chaîne YouTube, la Skin Academy. Je tiens à rappeler qu'on est présent au congrès qui va se tenir le 15, 16 et 17 avril à Paris. Vous allez trouver les collègues, physiobel, esthéticienne performante. On prend encore une fois un stand à trois pour vous proposer le meilleur de ce qu'on sait faire. On sera contente de vous voir, de vous revoir. Il y a des conférences, suivez-nous sur les réseaux. Moi, je fais une conférence sur les actifs, et je vous en parle parce qu'on était en plein dans les actifs, le dimanche et le lundi matin de 9h à 12h30. Il y a une formation sur les actifs que je vous propose de suivre en présentiel à Paris lors du congrès des nouvelles esthétiques. Et ça, c'est pareil, vous aurez des infos sur nos réseaux sociaux et puis sur le site internet. Je ne déborderai pas plus parce que vous me connaissez, j'ai toujours un truc à raconter. Je suis une vraie pipelette. Merci à toutes et à tous d'être là. Julia, merci encore de t'être rendue disponible. Et je sais qu'à quel point tu es disponible pour les esthéticiens qui te contactent par mail. Donc voilà, merci de ton soutien et d'être là pour nous et d'être là pour elles, pour répondre à leurs questions. Jérôme, merci, je sais que tu as fait un aller-retour important aujourd'hui. Il est là, bon pied, bon œil, encore une fois, le puits de séance.
Merci de beaucoup. séance ou de science? Oh, bah les deux, le puits de séance et le puits de la science. Vous retrouvez Jérôme, bien sûr, dans les formations nutrition et micronutrition. À vos agendas, allez sur le site de la Skin Academy ou de Médiage Formation, c'est pareil, vous avez le calendrier. Et puis, comme ça, vous pourrez en savoir plus et avoir un très, très, très beau discours auprès de votre clientèle. Un bisou à la Belgique, représentée par Adeline, qui est là et qui nous suit toujours et qui fait d'ailleurs une belle formation de naturopathie. Tout va bien? Super. Oui, top. Top. Bon, ben voilà, du coup, Adeline, elle fait sa formation. Hein. Il y a de plus en plus d'esthéticiennes qui font des formations de naturopathie. Et du coup, elle manque jamais un webinaire et une information pour enrichir encore plus ses connaissances. Merci encore à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous et puis passez une très belle soirée. Merci, au revoir à tous. Allez, bye. Hop.